La durabilité du verre, la fragilité des savoirs. Cette pratique est documentée depuis le XIVe siècle à Venise et à partir du XVIe siècle en France. Vers la fin du XIXe siècle, grâce à deux enfileuses vénitiennes, on a les premiers contacts documentés entre les deux communautés avec des échanges de technologies et de matériaux pour la création de fleurs de perles de rocaille. Le travail de la perle de verre en France et en Italie sont depuis toujours intimement liés. La matière première des perles est souvent fabriquée à partir du sable venant des carrières de Fontainebleau. Aujourd'hui, des échanges entre perliers italiens et français se font régulièrement, au travers de stages dans les deux pays, mais aussi de manière informelle par des échanges de techniques et au travers d'expositions de part et d'autre de la frontière. Per noi, quest'arte, che comprende gesti, luoghi, memorie, linguaggi, è un patrimonio vivo, un'identità forte. Ed è per questo che abbiamo voluto tutti insieme intraprendere questo percorso per la sua salvaguardia. L'art de la perle de verre est un patrimoine vivant, porteur de connaissances riches. Il combine la maîtrise d'un matériau, le verre, et d'un élément, le feu. C'est un savoir-faire artisanal singulier qui, au fil des années, a façonné l'identité culturelle des deux communautés. Ces deux communautés, avec leurs spécificités, se reconnaissent dans cet art. Une perle de verre se fait souvent en plusieurs étapes. Des fils de verre fins, des torsades, des murines sont préparés à l'avance. Ces éléments sont ensuite combinés pour faire de la perle de verre une œuvre complexe, miniature et unique. Si parte da una forma, la si fa diventare qualcosa di indefinito, si sollecita il vetro e diventa qualcosa di nuovo, diverso. Ti innamori, ti lega per sempre. Far perle se parte de lì. Grâce à toutes les techniques qui sont à la disposition du perlier, il est devant un monde infini de création. Avec les mélanges, il crée un univers riche, unique et toujours renouvelé. All'inizio le perliere lavoravano spesso in casa. Nella nostra lingua e negli strumenti che usiamo, questa eredità è ancora viva, tipo forchetta, coltello, vetta, fritta. Fare perle è un dialogo con il fuoco e con il vetro. E creo un rapporto vivo con la materia nella quale trasferisco il mio sentire. Qui si dice quello che dai al vetro, il vetro ritorna. Nous ne sommes pas des machines. Nous ne pouvons pas reproduire à l'identique les objets complexes comme les perles. Des émotions, des sentiments, des idées traversent l'esprit du perlier. Et ça s'imprime dans la perle. Ainsi, chaque perle est unique. La perle raconte une histoire, celle du perlier qui l'a façonnée, mais aussi celle de celui qui la porte, de celui qui l'offre ou de celui qui la transmet. Uso le murine per creare le mie perle. È una tradizione artigianale secolare che è parte di me. Mi non so se ho visto prima il sole o il fuoco in fornata.
questo saper fare è una stratificazione di conoscenze, sperimentazioni, innovazioni e ricordi di famiglia. Dalla mia culla è una cassetta di legno che era piena di perle perché sono cresciuta nella fabbrica del nonno e poi di papà. La tradizione delle conterie ha radici profonde, ma le nostre sono memorie nel futuro, come i motivi che si arricchiscono di nuovi usi e forme. Sono per l'era da 70 anni, mia figlia da 35. Si impara a fare le perle soprattutto stando vicino a una persona, imitando, provando e riprovando. Bisogna rubar coi occhi. La transmission se fait tant de manière formelle au travers de stages individuels ou en petits groupes que de manière plus informelle lors de démonstrations en public, lors d'expositions communes et d'échanges ponctuels entre les communautés françaises et italiennes. C'est magique. Ouais, bien, merci. Trasmettere questo sapere significa non solo condividere le tecniche, ma anche i valori. Armonia, rispetto, dedizione e bellezza. Il comitato riunisce detentori, praticanti, studiosi e appassionati di questo sapere. Da molti anni è impegnato, insieme ai suoi membri, nella promozione di questa arte, con la collettività. Passeggiate patrimoniali, performance artistiche e teatrali. Mi sono rimaste impresse le sue parole. La perla è una foto dell'anima. Documentare l'elemento attraverso la cura dei depositi di conterie, la ricerca e la raccolta di memorie familiari, storiche, identitarie, di strumenti, tecniche e pratiche. Rinforzare le azioni di trasmissione informale anche con le nuove generazioni. L'Association des Perliers d'Art de France rassemble des perliers venant de toute la France ainsi que quelques perliers de la Belgique et du Luxembourg. Depuis sa création, l'association œuvre pour la sauvegarde de l'art de la perle de verre ainsi que sa transmission et sa promotion via des expositions et des événements. Elle s'adresse à un public de tout âge. Il est fondamental qu'il y ait un dialogue et un partage sur les différentes techniques de travail. Plutôt qu'un instrument, je vais plutôt montrer cette fameuse perle poisson, là, en arête de poisson. Ah, super! Credo anch'io che lo scambio tra le nostre comunità permette di trovare nuove ispirazioni e di rinforzare i nostri legami. Le futur de notre pratique s'écrira grâce à la transmission sous toutes ses formes, grâce à l'échange et le dialogue entre tradition et innovation. La durabilité du verre, la vitalité des savoirs.